Oh non, le bleu. Alors ça. J'aime toujours la vitesse, mais plus en voiture qu'à ski. J'ai gagné les 8 descentes de Coupe du Monde avec cette paire de ski. Il y a 2 ans, j'étais ski avec. Encore impeccable, ça glisse. Encore bien farté. Ils ont 50 ans, ces skis. Il n'y a pas eu un monstre progrès. D'ailleurs, on descendait avec Kitbull en 2,03. Et maintenant, on a une 57 ou 55, ça dépend des années. Vous êtes du 140 avec ces skis-là. Faut pas se fier aux apparences. C'était déjà du bon matériel. Le serviceman ne voulait plus, à la fin, il ne voulait plus me laisser faire parce que la carte devenait toujours plus étroite. Alors il me disait, elle va casser un de ces moments. Et puis, voilà. Mais après, c'est moi qui me suis cassé, mais pas les skis. Val d'Isère, c'est là que le destin sportif de la Colombe se joue. Tu montes la chute. Le 5 décembre 74, il retrouve la mer. Je regarde pas, non. Le 5 décembre 75, Romy, il est là. Et certains se demandent pourquoi il n'a pas évité. Alors, j'aime pas en parler parce que j'aime pas avoir les images déjà. J'ai jamais vu. Quand quelqu'un m'approche et qui me dit on se rappelle la bosse ou les bosses, ça me vexe un peu. Je dis moi, je me rappelle que j'ai gagné 2 fois Kitbull, 3 fois Garmisch, Val Gardena, Morzine, Le Bron, voilà, elles sont là. Alors, je lui réponds comme ça. Comme ça, il comprend tout de suite qu'il ne faut pas insister. Puisque France, la mer, Afrique, maintenant, voilà. Le départ. Il est parti. Alors, Roland... Il est parti très fort, en tout cas. Oui, on te laisse parler. C'est toi qui vas commenter cette descente de la mer. Je pense pas. Il pourra battre peut-être Philippe, mais pas Russie. 44, 45, 45, c'est pas gagné. C'est vraiment un grand champion. Quand je suis sur mon lit d'hôpital... Ça, c'est des bons souvenirs, parce que là, je savais que j'allais marcher de nouveau, voilà. Moi, ça fait 6 semaines que je te connais, mais ça me fait tout drôle aussi. La mercredi, hein. Je te lève, quoi. OK. Ben, j'espère. Ciao, bye bye, hein. Le ski, pour moi, c'était pas très grave. D'arrêter le ski, c'était surtout de pouvoir marcher, parce que j'étais paralysé quand même au départ. Bon, c'est le passé, là, c'est bon, là, me lance, je suis bien. Hein. Après, j'ai connu ma femme, la famille, les enfants. Les enfants vont bien, tout va bien, voilà, c'est pas mal quand même. Il faudrait que je puisse voyager, voilà, partir, faire des voyages, c'est ça qui me manque. Oui, mais là, c'est rigolo, je dis que j'avais envie de voyager, puis maintenant, j'ai pas du tout envie de voyager, tu vois. L'hiver, je skie, ça va, mais l'été, je m'emmerde un peu quand même. Je m'emmerde plus maintenant l'été. L'été, je suis tout le temps en montagne, me balader. L'hiver, je suis à ski, pour de foc, voilà. J'adore ce coin, je m'y plais vraiment. L'air, la tranquillité, le paysage. T'as chaque fois presque la larme à l'œil de voir le décor, toi, je veux dire. J'ai l'incendie, là, c'est beau.